Alors, aujourd'hui, nous allons faire le musée d'Eudaïa comme lecture. Ce musée a été installé dans les anciens pavillons construits sous le régime du sultan Moulay Ismail. Il regroupe des collections vestimentaires représentant plusieurs régions du Maroc. La collection de bijoux, riche et variée, traduit le savoir-faire de l'artisan marocain. Les astrolabes témoigne du génie de l'école maghrébine et de sa contribution au développement de la science. Les tapis, la poterie et les instruments de musique offrent une idée sur ce que le musée d'Eudaïa contient comme trésor culturel. Alors nous allons répondre aux questions. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est « Le musée d'Eudaïa ». Que vois-tu sur la première image? Sur la première image, je vois la Kasba d'Eudaïa. Dans quelle ville du Maroc se trouve-t-elle? La Kasba d'Eudaïa se trouve à Rabat. Que vois-tu sur l'image numéro 3? Sur l'image numéro 2, on voit le musée d'Eudaïa. Qu'est-ce qu'on expose dans un musée? Dans un musée, on expose des collections de bijoux riches et variées, des tapis, de la poterie, des instruments de musique, etc. Merci.